C'est l'un des monuments incontournables de la capitale des Flandres. L'Opéra de Lille, c'est l'un des plus beaux bâtiments de France. C'est un opéra qui donne aussi une impression de grande ouverture. Et puis, c'est aussi une très très belle salle. Ce week-end, ce joyau architectural souffle ses 100 bougies. 100 ans d'une histoire tumultueuse et des dizaines de petites mains qui y travaillent dans l'ombre. Pour l'occasion, trois femmes passionnées vont vous dévoiler les coulisses de ce temple lyrique. Moi, j'ai toujours voulu être chanteuse d'opéra. Parce que je suis toujours allée à l'opéra et j'ai toujours trouvé que c'était l'endroit où on ressent le plus de choses. Pour moi, c'est une fierté de faire perdurer l'opéra. Ça fait partie de notre ADN. C'est vraiment un lieu qui est important et qui fait battre le cœur de la ville, finalement. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'escalier d'honneur et qui monte à l'étage un peu de prestige, mais aussi de lieux somptueux pour accueillir le public. Ce foyer qui reste ouvert justement sur cet escalier et qui est de très très grandes dimensions. Ça, c'est vraiment une architecture unique, avec ces grandes fenêtres qui donnent sur la place de l'Opéra. Alors là, on est quand même dans le nord et on aime bien les grandes fenêtres parce qu'on aime bien faire rentrer la lumière. Caroline est la directrice artistique de ce trésor lillois depuis plus de 20 ans. Et c'est toujours avec beaucoup d'enchantement qu'elle parcourt les lieux. On vient de rentrer dans la grande salle, qui est évidemment le cœur d'un opéra, le cœur d'un lieu de spectacle, avec cette salle qui compte 1138 places, donc qui est quand même une assez grande salle. C'est l'architecte Louis-Marie Cordonnier qui réalise l'édifice au début du XXe siècle, sur les cendres de l'ancien théâtre de Lille, disparu dans les flammes en 1903. Grandement inspiré de l'Opéra Garnier à Paris, il est inauguré en 1923, puis occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin rénové en 2003, personne n'aurait imaginé que l'Opéra allait fêter ses 100 ans. Après la rénovation en 2003, il restait des petites ouvertures dans le toit au-dessus de la scène et il neigeait même sur scène. Et donc les chanteurs qui étaient évidemment en jouant, qui transpirent, voilà, je me souviens d'un jour qui avait une chemise grande ouverte, etc. C'est risqué d'attraper la mort, donc c'était catastrophique. S'il eût neigé sur la scène ou même fait très chaud, attention à la tête. Il y a dans les sous-sols une température quasi constante qui se prête parfaitement à l'activité des accessoiristes. Ah bah Mélanie, tu es là. Bon alors évidemment cette production, il y a beaucoup de sang, donc comment tu t'arrives à gérer, ça va? Oui, bah pour l'instant on est en train de découvrir ce qui se passe. Mélanie a pour mission de répondre à la demande pour le moins originale d'un metteur en scène. Elle fabrique de faux morceaux de viande en mousse pour les décors de Don Giovanni, une des œuvres majeures de Mozart, qui sera jouée pour les 100 ans de l'opéra ce week-end. Donc là, on est en train de faire la dernière étape pour les faux morceaux de viande. On coud de la cire cristal au-dessus de la bougie pour que ça ait un air plus réaliste. Clairement, là, on veut faire croire que c'est de la vraie viande. Pour l'anecdote, au fait, la soliste qui va devoir manipuler la viande est végane. Donc clairement, il était... Hors de question de mettre des vrais morceaux de viande. Nous, les températures vont changer, les temps de séchage, les résines, les peintures, tout ce qu'on manipule. Aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. On a eu de la chance, on a dû faire des faux tissus imbibés de sang. Ça séchait beaucoup plus vite que si on avait été en plein hiver avec une température bien moindre. Et je crois que c'est une des parties les plus intéressantes de notre métier, c'est ce qu'on préfère, c'est d'inventer tout le temps. Il n'y a jamais une seule solution, déjà il y a mille façons de faire, et donc c'est une invention permanente. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine, ouais. Jamais. Sous les toits de l'opéra, à la lumière, les 5 costumières préparent les masques, les tailleurs et les robes des acteurs. En tout, l'opéra emploie entre 100 et 200 personnes. Chiara est soprano, c'est elle qui interprétera l'une des femmes de Don Juan. Dernière vocaliste pour la Suisse italienne de 35 ans, qui foulera les planches de l'opéra dès ce soir. Mais je dis toujours que l'opéra c'est comme la coriandre, t'aimes à la folie ou t'aimes pas du tout. Donc voilà, moi c'est... j'adore. Parce que tout est plus grand, tout est plus exagéré,
On dit je t'aime et ça dure 10 minutes, l'air il dure 10 minutes. Là je dis tu m'as trahi et ça dure 6 minutes et c'est les 6 minutes les plus sublimes jamais écrites. Donc on a de la chance. Et tout le monde devrait au moins une fois aller à l'opéra dans sa vie, je trouve. Parce que soit t'aimes pas, mais c'est dommage de pas y aller une fois. Tout l'enjeu est là, attirer les plus jeunes et initier toujours plus de monde à la magie de ce lieu. Ce que raconte l'opéra et qui m'a toujours beaucoup touchée, tout ce que peut nous dire la musique, qui va bien au-delà de ce que les mots peuvent dire. L'opéra a une très grande force d'attractivité. Des metteurs en scène très innovants mettent en scène les opéras. Donc non, l'opéra n'est vraiment pas démodé. Malgré ses 100 ans, l'opéra de Lille n'a jamais été aussi jeune. Chaque année, 90 000 spectateurs viennent vibrer dans ses murs.